Clarisse Péala, la légende de la littérature. Toujours belle, je t'aime chérie. Mon frère Moutman, tu n'as style au type. Si elle te balève, sache que la jalousie. Dynastie le titre, dis-le bien toi. Grâce à Dieu, alors vous. Non, gars. À moto. Pas manger. Dis-moi non, tonton, dis-moi. Il y a quoi, Dynastie? Ah bon? Ah non, attends, je vais te rappeler. Dis-moi alors, tonton. Pamplemousse. Là ou là-bas? Là ou là-bas? Je vois un peu. D'accord, ok. Tu es ma personne, Dynastie. Dynastie le tigre, oui. Ma personne depuis des années. Il n'y a pas de problème, frère. Je suis pas avec une femme, Dynastie. Je suis avec Longueur. Je suis pas avec une femme. Dynastie, c'est Dynastie au téléphone. Tu es son papa. Allô? Allô? Mais à l'oreille, à l'oreille. Allô? Allô? Bonjour. Et comment, mon papa? Ça va? Je suis avec mon jumeau, là. Ah, d'accord. Fais-moi dire bonjour. Ah. On est là, on travaille un peu. Non, ça va aller. Vraiment, je te suis depuis un bon bout. Je suis content. Au moins, tu as le courage de révéler au grand public les sorciers qui nous combattent dans le silence. Mais tu sais que les nous comme ça, on n'a pas encore l'âge de parler comme toi. Parce que toi, tu es un vieux lion aussi qui peut t'exprimer. Ça va aller petit à petit. Ça s'est bien passé à Montréal? Oui, grand frère, ça s'est bien passé. Je suis même rentré ici, je suis reparti en face. Je suis venu là. Ok. En tout cas, on garde le contact. Quand on sera à Yaoundé, on va se voir. Ciao, ciao. Ok mon type, gars, on fait comme ça alors, tu me... elle va me joindre non? Charlotte Titi. D'accord. Ok, grand merci mon frère, grand merci. D'accord. Les enfants bénis du nom. Les vieux papas d'aujourd'hui n'aiment que les jeunes filles. Les jeunes filles, avant que le vieux passé. On passe le chemin à l'hôtel. On va pas les parler jusqu'à. La jeune fille, elle avait beaucoup.
Ah, c'est la musique. Tu peux mettre la musique là-bas dedans, non? Dans le téléphone. Voilà, nous sommes au centre culturel Longue Longue. Robinson Pifo, l'homme de cette colline. Voilà, nous sommes en visite au centre culturel Longue Longue. Voilà, je suis arrivé à Douala. Le papa a dit, mon petit frère, viens voir les œuvres de ton père. Alors, ne pouvant pas refuser, je dis oui, mon tonton. Ça fait beaucoup de temps. On voit seulement les choses sur Facebook. Voilà. Il fallait que nous-mêmes on vienne. Va toucher alors. Oui. Va toucher, va taper la main au mur. Voilà. Il fallait que nous-mêmes on vienne juger, qu'on vienne toucher ça du doigt. Va toucher 300 millions. Voilà. C'est longueur. Donc, il fallait que nous-mêmes on vienne toucher du doigt. Va toucher. 300 millions en face. Voilà. Les gens parlent, ils ne savent pas ce qui se passe. Touche. Voilà, touché 300 millions. Ça, c'est les lambris chinois. C'est les Chinois eux-mêmes qui sont venus installer ça. Voilà. Ici. Touche, tape. Tu as touché. Et c'est fermé. Soulève-moi. C'est fermé. Voilà. Et elle aussi, elle s'appelle. Chris M. Elle vient de Yaoundé aussi, son ensemble. Elle a promo. Elle vient de Yaoundé. Et elle est curieuse parce que c'est le rêve de tout artiste. Hein. Sortir l'album et construire les immeubles comme Charlotte Dipanda, oui. Comme Caresse Fosso, Chris M. Oui, va toucher. Va taper la main au mur. Faut toucher d'abord. Faut toucher. Elle aime ça. Faut toucher. Elle aime ça. Faut toucher. Vas-y, touche. Touche. Elle a touché, alors. Elle a touché. 300 millions. Bon, venez maintenant. Voilà la maison que j'offre à la famille à l'âge de 28 ans. Ici, là. Donc, vous voyez le portail. Vous faites le portail, là. Pousse le portail, là, plus fort. Pousse. Voilà. Ah. Ça souffle ici. Oh là là. Ah, c'est une visite guidée des lieux. Voilà la maison que voilà Agro Africa. La maison ci. Wow. Que j'offre à la famille. En fait, il y a. Ouais. Là, carrément. Voilà, 5 chambres, un salon, cuisine, douche. 7 chambres. 5 chambres. 5 chambres. Wow. Agro Africa. Si votre libérateur, vous avez libéré la famille de tout là. Voilà. Il y a une voiture, il y a d'autres qu'on a abandonné. Voilà. Voilà. Donc, bon, entier. On appelle ça la visite guidée par le libérateur. Demande à Mbamba d'envoyer les clés pour entrer au Sénat. Mbamba, oui. J'espère qu'elle a, elle est là. Mbamba, oui. Carrément, les escaliers là. Non, ça se met, ça c'est du marbre. Voilà. C'est du marbre au sol. Voilà. 600 000 euros. C'est ça. Vous m'en regardez. C'est du marbre. Les gens pensaient que c'était l'extérieur qui était beau. Voilà la continuation. Il y a l'orchestre. Non, mais c'est pas. Il y a l'orchestre là-bas dedans. Donc on attend les clés. Bon, viens, on attend les clés. Mais c'est pas la blague. Hein. Ça, c'est au lycée. C'est au lycée de Pécadouce. Donc, mais... bon. Les gens s'y sont venus mettre la poubelle ici. Ça, pas que la fumée la dérange les gens par ici. Là. Voilà. Voilà le studio. Ah, maintenant, c'est les habitations. Oui, non. J'ai mis les bidets trucs. J'ai mis de mettre les trucs que tout le monde vient s'asseoir. Après quoi le cancer. Voilà, donc j'ai enlevé tout ça. Il y a fait un traditionnel. Voilà. Voilà l'orchestre. Ah, mon petit frère a gardé ce qu'il dit là. Le piano. Et les trucs. Voilà, la batterie, tout. Tout est prêt. Tout est prêt.
Tout est prêt pour le lancement du cabaret, du centre culturel Longué. Tout est prêt. Tout est prêt, hein, tout est prêt. L'orchestre est là. J'ai enlevé au cabaret, j'ai mis ici, mais il faut qu'on le stade. Parce que j'avais peur au départ. Maître! Est-ce que maître est là? Ah, d'accord. Donc. Ah, la panderie, tu n'as pas ouvert. Tu n'as pas ouvert la panderie. La prochaine fois, c'est climatisé. Hein? Tout. Voilà, clim. Tu dis seulement que ça, bon, il y a le matelas, tout le monde met. C'est climatisé. Nyang, nyang. J'ai deux clims dans la maison là aussi. Et là, je me suis dit, on dit que... On va attendre les parties, on va finir ce qu'on a. Elles arrivent. Oui, elles arrivent. Sûr. Voilà. Excusez-moi. Faut toujours fermer en bas. Hein? Est-ce que j'ai mes choses ici là? Si on veut. Tu as pris la clé? Parce que le travail est mal. Hein? Allez, on fait quoi? Oui, Banja. Là, je voulais qu'on entre au cabaret. Et vous voulez quoi? Je voulais vous dire merci beaucoup, monsieur le longueur. Ok. Allô? Ah, bonjour, il y a pas si. Vous saluez. Oui, oui, oui. Ok. Vous avez quelque chose de l'Indien tout. Au centre culturel longueur. Au centre culturel Longa. Nous voici devant le centre comme ça, nous sommes là. D'accord. Donc c'est une chaîne de télé, la ABK, ils arrivent. Bon, il y a un monsieur, quoi de ta vie? Tu en regardes le matelas où tu dors? Non, c'est quelqu'un qui dit le parvenu. Tu fais le quoi de ta vie? Hein? Toi qui dis le parvenu là, Longa peut nourrir toute ta famille, monsieur, avec un seul album. Et l'album qui arrive là va casser le record des ventes au Cameroun. Parce que beaucoup ne savent même pas que c'est la tuerie, c'est le tsunami qui arrive. Voilà. Voilà le monsieur, 1m80, Barakuda. Voilà Barakuda. 1m80. Voilà. Donc on a la chaîne de télé ABK qui est là pour un entretien. Tout va bien se passer. Donc le centre culturel Longueur est là. Il fallait qu'on vienne toucher du doigt. Longueur. Oui, tout le monde, c'est Longueur. Même les aveugles, Longueur. Même les aveugles voient Longueur depuis quelques temps. Là, on se retrouve encore. Ouh, elle s'appelle Sandrine, fais un coucou ici. Bonjour. Je suis Longueur TV. Oh, oui. Bonjour, people. Voilà, elle va faire un coucou au papa. Voilà. Sandrine de ABK TV. Elle avait son équipe. Donc, écoute, femme. Ah, mais les hommes, j'ai hâte. Alors. Voilà. Donc, on attend le mec qui a les clés. Il va venir. Fatil aussi en haut. Ok. Fatil aussi en haut.
On peut faire trois émissions. Ouais, plus d'une fois. Tu dois tourner avec elle demain. Ah bon? Oui. Mais tu peux faire ça une fois. Hein? Non, c'est que je n'ai pas les. Oui. D'accord. On va faire ça terre à terre, tu oui, vois. Tranquille. Oui. Mmh. Moi, je suis venu ici pour tourner avec lui, c'est pas encore chantier. Mmh. Bon, moi, je vais faire l'interview au papa. Mesdames, messieurs, partagez ça rapidement. Monsieur Longuet, ouais. Aujourd'hui, vous faites la une de tous les journaux. Ouais. Tout le monde parle de vous de nos jours. Mmh. Pourtant, ça fait quelques temps, comme vous le dites si bien, personne ne vous calculait. Voilà. Personne ne vous calculait. Voilà. Aujourd'hui, il y a un album qui arrive. C'est un album de combien de titres? Un album de 14 titres. De 14 titres. Voilà. Voilà. 14 titres. Dans lequel on retrouve l'afro. Ne brûlez pas mon pays. Ne brûlez pas même mon pays. Même si vous êtes fâché n'importe comment, oh, ne brûlez pas, oh, mm-hmm. Ne brûlez pas mon pays. Mm-hmm. Même si vous êtes en colère n'importe comment, eh, ne cassez pas, oh, ne cassez pas ma patrie. Mm-hmm. Ça, c'est ne brûlez pas mon pays. Ne brûlez pas mon pays. Vous avez aussi. On a mis au wetta si des folas. On a mis au wetta si des folas. No way when I die before you buy me clothes. No way when I die before you. Partagez, envoyez le cœur, partagez. Don't go so long, Joe. Voilà. The way you go to do I fucking me. The way you go, Marabu, for say I die. The way I don't die, yo. Un peu ça, vous avez. Il y a beaucoup de chansons. Il y a Complétons-nous qui est voilà. Déjà, qui est déjà la chanson préférée de tous les Camerounais, même quand on n'est pas encore dehors. Les coups de femme, aimez les hommes géants. Les hommes géants, adorent les coups de femme. Arrive au lit, ils ont la même taille. Arrive au lit, les deux là se complètent. If you love me, bring me some tea, non de ta mort. We go compete each other. If you love me, bring me something we are not yet more. Oh, la voix. So me voix. And you, oh. We go compete each other. Les grosses femmes, elles aiment. Ça revient, ça prend tout. C'est de retour, c'est de retour, c'est de retour. C'est de retour. Bébé, complétons-nous. Oh, complétons-nous. Je suis mince, tu es grosso, chérie. Complétons-nous. Je suis coûté, tu es géant, bébé. Complétons-nous. Voilà, donc complétons-nous. Il y a aussi la sorcellerie vous donne quoi. Mmh. Voilà. Et c'est pour quand déjà la sortie? D'ici deux semaines ou plus tard. D'ici hein. Deux semaines. Voilà. Parce qu'il faut dire que actuellement vous êtes dans non, l'un des meilleurs. Je ne filme pas de l'autre côté. Voilà. Filmé de son côté. Actuellement vous êtes dans l'un des meilleurs studios du Cameroun en train de peaufiner le son. Ouais. Voilà, oui, qui hein. Sortira dans quelques jours. Mmh. Et il y a beaucoup de Camerounais qui pensent que vous êtes. Très belle réponse. Je suis pas fou, mais je m'en fous. Vous vous en foutez. Voilà. Voilà. Ok. Et des spectacles déjà en vue, monsieur Longuet Longuet. Oui, je serai en spectacle au Tchad le 15 décembre. Je gagne quand même 6 millions, c'est pas donné. Waouh. Wow. Après beaucoup d'années d'absence. Oui, il y a deux spectacles. Il y a un spectacle de 4 millions et un autre spectacle de 6 millions. Vous savez, je suis très populaire au Tchad. Hein. Je serai en spectacle le 3. Le 3 novembre au Safari, le 4 novembre au Bois de Ben. Au Bois de Ben. Voilà. Voilà, il y a un autre cabaret qui négocie hein, pour le dimanche 7. Voilà. C'est vrai que beaucoup de Camerounais depuis veulent vous avoir, mais ne savent pas comment faire pour entrer en contact avec vous pour des spectacles. Désormais, vous êtes sur cette page, mesdames, messieurs. Donc, vous laissez des messages. Si vous avez besoin de Longuet Longuet, laissez des messages ici ou alors composez le numéro 697 60. 31 89, je vais reprendre le numéro 6 97 60 31 89 et vous avez Longuet Longuet partout sauf dans votre chambre. Voilà. Voilà. Il faut annoncer que Longuet Longuet est célibataire. Ouais. Ça, c'est à préciser. C'est important. Il y a beaucoup qui demandent ici où est passé Niamsi. Posez vos questions, s'il vous plaît. L'artiste est là pour vous. Voilà. S'il vous plaît, je veux plus qu'on parle d'elle. Voilà. Donc, C'est un incident. Voilà. Mm-hmm. Donc, elle est jolie, mais bon, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Voilà. Alors, Longuet Longuet, est-ce que vous êtes content de la façon dont les internautes vous prennent au cœur actuellement? Parce qu'il faut dire que vous n'étiez pas sur Internet.
En un mois, vous êtes là. Vous êtes le plus aimé de tous les artistes actuellement au Cameroun. Parce qu'il faut dire la vérité, tous ceux qui ont sorti les sons depuis là, on préfère suivre les directs de Longuet Longuet que d'aller sur YouTube écouter la nouvelle musique. Qu'est-ce voilà. que ça vous fait? Ça me fait du bien. Ouais. Ça prouve que je suis considéré dans la société. Ça prouve que... Remettez-nous la lumière, Néo. Allez. Ça prouve que je suis utile. Voilà, si j'étais resté zéro, qui parlerait de moi? Si j'étais un dernier, qui parlerait de moi? Donc, voilà, beaucoup font des directs. Mais personne n'atteint vos chiffres. Beaucoup ne sont pas longues, longues. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait également de savoir que aujourd'hui vous avez des statistiques qui dépassent les statistiques de tous les artistes actuellement sur la toile? Je savais, puisque je l'avais prédit à Washington, j'avais dit au président Django, quand je vais commencer à faire les directs, je vais enflammer la ville, l'Afrique, je vais enflammer le monde. Et c'est ce qui se passe, parce que j'ai toujours fait des grandes choses dans ma vie. Voilà. Ok, Simon Longuet Longuet, le prochain album sera d'ailleurs dans 2 semaines et des spectacles en vue. Le centre culturel Longuet Longuet, l'ouverture officielle concrètement, c'est pour quand? Là, je m'en vais au Canada, je gagne un peu d'argent, j'achète les climatiseurs et je viens ouvrir. Voilà, donc c'est tout ce qui nous reste parce que j'ai gagné beaucoup de dollars aux États-Unis. Plus de 35 000 dollars en 2 mois, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné, il faut dire la vérité. Plus de 60 ans que la musique existe, on n'avait jamais vu un artiste gagner autant d'argent. Donc vous voyez, là c'était pas carrelé. Maintenant il y a les carreaux partout. Et là, tout beau, tout est propre. Là-bas déjà, j'ai déjà un locataire là-bas. J'ai une avocate qui est là. En plus. J'ai même pas envie de mettre les locataires parce que j'ai pas besoin de ce genre d'argent. Voilà, donc... voilà quoi. Ok, donc on arrive déjà à la fin de cette interview avec la star de l'heure. Vous êtes sur Longuet Longuet TV, mesdames, messieurs. Alors, c'est vrai, ça fait rire, mais c'est bon, c'est chouette. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir qu'il y a quelques jours, vous passiez en route, personne ne vous gérait. On a vu les vidéos à l'avenue Kennedy, comment tous les sauveteurs sont sortis de tous les coins et recoins de l'avenue Kennedy. À Douala, nous sommes avec vous depuis quelques jours. On voit comment vous avez même de la peine à marcher. À vous faire en fait de tout ce qui se passait et qui a aussi été choqué par la courte mémoire des Camerounais. Des Camerounais, ils oublient vite. Oui, ils oublient vite. Voilà, la courte mémoire. En les rappelant que non, voilà, quelqu'un vous a fait danser pendant plus de 10 ans. Voilà, on parle du chien, on voit sa queue. Il est avec son fils, il s'appelle Master Okla. Master Okla. Voilà, depuis Yaoundé, il est arrivé. Comment se fait la rencontre avec Master Okla, monsieur Longuet Longuet? Oh, vous savez, quand les enfants de Dieu veulent se rencontrer, c'est pas compliqué, hein. Voilà, donc le manager de Master Okla m'a rencontré, Robinson Pifot, et il m'a dit, il m'a invité. Alors j'ai tout de suite accepté. Et après, il m'a dit, voilà, il y a un jeune qui a fait un son qui parle de toi. Et voilà, j'ai dit, ok, faites-moi écouter. Quand j'ai écouté, j'ai senti qu'il y avait Dieu dans son hymne mondial. Voilà. Collectez-vous, collectez-vous. On dit qu'il est déjà fou. Collectez-vous, collectez-vous. Longuet Longuet veut parler. Oh. Collectez-vous, collectez-vous. C'est le mari de Wapsor. Collectez-vous. Alik Benyalama. Je suis le seul artiste de ma génération encore debout. Je fais la une devant Franco Daphné, Ténor et Ming. Du coup, ça fait beaucoup de jaloux. J'ai fait danser ce pays pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, il me traite de fou. J'avoue, je m'en fous. Et tous ceux qui pensent que je suis devenu fou, ben, je vous en... Collectez-vous. Longuet veut parler. Collectez-vous. C'est le mari de Wapsor. Alors, on demande ici, à quand le clip? À quand le clip de Connectez-vous? Oh, on cherche encore l'argent. Hein. Vous êtes là toujours pour écouter, regarder. Vous n'avez jamais contribué. On cherche l'argent. Voilà. Donc, Longuet Longuet lance un appel. S'il y a un volontaire qui veut financer le clip. Chicha. Oh. Gens sont trop chichis. Voilà. Donc, et puis encore sur Internet. Oui. Puis encore sur Internet. Parce que quand vous faites les directs, ils sont là, ils rient. Mais quand il faut agir, personne n'agit. Voilà, c'est voilà. Vraiment trop chiche. Voilà. Le président Django m'a dit, Longuet fait une soirée dédicace. Bien, tu interprètes tes anciens sons et tu demandes aux gens d'envoyer les MoneyGram 2000. Il dit que 2000 fois combien? Ou c'est fois 1000? Ou fois 500? Ça fait combien? Les gens, même 1000 francs, ils ne donneront pas. Même 1000 francs. Tu comprends? Non, il faut dire la vérité. Même 1000 francs, ils ne donneront pas. C'est des histoires. Voilà. Donc, je pense que le fait que vous avez parlé maintenant, là, il y a des gens qui vont envoyer l'argent. Les gens se collèrent, ils sont déjà plus de 500. Bien sûr, bien sûr. Hein? Bien sûr, ils sont en direct.
Ils sont en direct. Mais si tu dis maintenant que voilà le numéro, envoyez MoneyGram. Ils vont même commencer à t'insulter, mendiant. Que tu es mendiant. Regardez l'immeuble d'un mendiant alors. Voilà. On peut mendier et construire ça. 300 millions. Et si ça vous aide, vous allez aussi mendier, vous construisez ça, on voit. Sautez en l'air. Sautez en l'air. Voilà. Alors, longue, quand on écoute la nouvelle musique, complétez-vous. On voit que vous êtes inscrit dans le nouveau registre de la jeunesse, c'est-à-dire l'afro et tout. Est-ce que vous voulez quitter définitivement le Makossa? Et c'est le Makossa que je chante, hein. Oh. C'est le Makossa, ça n'a rien à voir, c'est le Makossa. Collectez-vous, longue veut parler. Collectez-vous, c'est connecté ou collecté. Collectez-vous, longue veut parler. Collectez-vous, Tu as donné le téléphone au village là. Collectez-vous, Un fou qui s'en fout. Voilà. La fameuse piste. Voilà. Donc, voilà, le clip officiel arrive dans quelques semaines. Mesdames, messieurs, on compte sur vous pour les partages. Vous envoyez les cœurs. Nous connaissons, on compte sur nos partenaires. Le géant de Yaoundé, là, il s'appelle. Et Rodrigue Vina, Arsène Onana. Arsène Onana, mon partenaire sûr. Voilà un grand mécène, un homme de cœur. Il m'a fait manger au Hilton plus de 200 000, un buffet au champagne, cigare, caviar et tout. Waouh! Voilà, c'est un monsieur qui adore la bonne vie. Arsène Onana. Vraiment, c'est mon frère de cœur. Et il y a la pop Daddy. Karine Mongwe. Karine Mongwe. Voilà, des établissements terre métis à Yaoundé. Qui nous a promis aussi qu'elle va nous soutenir. Voilà, donc d'ailleurs tout à l'heure j'irai qu'on me fasse un massage body. Qu'on me fasse un bon massage body et voilà, donc nous avons Monsieur Emmanuel Nguele qui va agir dans quelques temps. Emmanuel Nguele. Voilà, du Djega Palace. Dans quelques jours. Rodrigue Vina. Alain Cana, l'homme fort, l'enfant de Dieu. Nous avons Isidore Penda du Wenge. Chaque fois que je suis à Yaoundé, je m'en vais manger du bon poulet. Aux frites de pommes au Wenge. Et fredonner une petite chanson parce qu'il y a un bon piano bar là-bas, voilà. Je vous le dis. Hein. Voilà. Faut pas que j'oublie Bon Kwaha, Yamboum. Yamboum, Bon Kwaha. Voilà, un frère du village qui a décidé de me soutenir aussi. Voilà. Et ma soeur chérie Marie-Brigitte, Marie à Aton, Marie-Brigitte qui a déjà fait un grand geste, qui a fait un très très grand geste d'ailleurs, et qui m'a promis que l'on guette, t'inquiète-toi, nous on te soutient. Là, ils sont tellement nombreux. Patrick, il est Gabon, c'est la présidente de la République. Waouh. Ouais. Patrice Lumumba. Non, pas Patrice Lumumba, c'est un Camerounais, mais il travaille avec Ali Bongo. Patrick Nama. Voilà. Ponsa. Ah, Ponsa. Okay. Voilà. Ponsa. Patrick Nama, le président Patrick Nama, qui m'attend d'ailleurs au Gabon. Oui. Mais là, je m'en vais à. Mais il y a quelqu'un qui dit là que le maire doit goudronner l'avenue Longue. Non, il y a un opérateur économique qui a construit un hôtel à côté. Oui. Et qui a dit qu'il va mettre les pavés qui tendent du goudron. Je suis un enfant de Dieu. Waouh. Sinon, on va attendre le goudron ici pendant 40 ans. Hein? Donc, il va mourir, même laisser le centre. Il va même jamais goûter la viande du centre. Mais voilà un monsieur qui est venu ouvrir l'hôtel de plus de 3 milliards. Et il a dit, bon, il va goudronner, nous on va donner peut-être 1 million. On va contribuer chacun 1 million. Il va terminer. Jusqu'à. Donc c'est bien fait pour nous. Et voilà, donc tout se passe bien. Voilà. Jusqu'ici tout se passe bien, vous êtes content du nouveau buzz que vous avez en ce moment. Parce le visa du Canada est là. Voilà. Jusqu'à 2020. Voilà. Et voilà, je vous ai donné rendez-vous demain pour la suite de l'affaire Chop Chop et Fingonjalala. Ouais. Parce qu'on ne baisse pas les bras. Quand vous avez raison, dans la vie, quand vous avez raison, ne lâchez pas, quoi qu'on dise. Ne lâchez pas jusqu'à. Vous savez, moi j'ai vécu en Europe. Et en Europe, il n'y a pas les histoires que Dieu va bénir, il faut laisser, Dieu va le payer. Non, il n'y a pas ça. Hein? Il n'y a pas ça.
S'il y a un souci, c'est un magistrat qui décide. C'est le magistrat qui juge. Donc, et là, la suite de l'affaire, c'est demain à 21h. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, merci à tous d'avoir regardé. Demain, 20h, vous serez. Partager. Voilà. Donc, il y a Chris Mo de Big Dream Entertainment. Oui, j'ai la vidéo qui sort à 18h. À 18h, elle vous donne rendez-vous. Oui. Et Longa va soutenir le projet à sa manière, voilà. Et à Sandrine qui est là. Audrey. Sandrine Misley, ABK TV. ABK TV qui est quelque là. Quelque chose de ouf. Ouais. D'accord. Allez, bonne journée à vous de la part alors, de Alors, Robinson Pifo. Oui. Alors, qu'est-ce que ça te fait de travailler aux côtés d'une icône de la chanson camerounaise? Il faut dire la vérité. Moi aussi, au départ, je vais dire la vérité. Je suis vrai comme vous. Au départ, je pensais aussi que vous étiez fou. Comme tout Camerounais, en fait. Mais après, moi, comme je suis professionnel, j'ai fait communication artistique. Mm-hmm. Je suis resté, j'ai déjà analysé la situation. Mm-hmm. Communicationnellement parlant, j'ai vu maintenant que monsieur a... voilà. Donc je dis, ce monsieur a une stratégie marketing qui doit même être interprétée dans les plus grosses écoles de communication. Mm-hmm. Donc du coup, j'ai dit, je vais apporter mon expertise pour que Longa rentabilise dans ce direct, qui rentabilise avec le buzz innocent qui... Ça donne ce que ça est en train de donner. Donc, Et depuis, ça fait combien de temps vous marchez avec Longue? Ça fait 3 semaines déjà. 3 semaines exactement. Trois semaines, oui. Vous mangez avec lui? Ça n'est plus que manger en fait. Voilà, vous partagez son quotidien? On partage son quotidien. Est-ce que c'est un homme normal? Longue, je l'ai dit hier à une chaîne de radio RSI que je ne connais pas le Camerounais qui est intelligent plus que Longa en ce moment au Cameroun. Ah bon? Je ne connais pas le Camerounais qui est intelligent plus que lui. Bon, donc, c'est vrai, hein? Ça ne sert à rien de rester derrière les réseaux sociaux, critiquer, saboter, injurier. Mesdames, messieurs, cherchez Longa, passez une journée avec lui. Vous allez voir que c'est quelqu'un de bien qui préfère dépenser 1 million pour que les gens qui sont dans son alentour se sentent bien. Mm-hmm. Voilà, donc c'est quelqu'un de bien. Voilà, d'ailleurs, vous avez dit à la chanteuse que. Ça n'a rien à voir. Que ça n'a rien à voir avec Internet et tu vois l'homme. Voilà. Quand on mangeait tout à l'heure. Voilà. Alors, vous vous attendez à un monstre. Hein? Un monstre, comme un fou. Oui, quelqu'un avec qui on ne doit pas marcher, surtout. Voilà, on vous conseille de pas. On m'a dit, Pifo, tu marches avec Longa, ta vie est finie. On regarde Fatilou, comment elle se filme avec Longa, on l'appelle partout, on dit, mais tu marches avec un fou. Mais est-ce que vous connaissez... Peut-être c'est pour ça qu'elle nous évite, hein. Peut-être. Parce que depuis qu'elle est venue à Douala, on s'est vu une seule fois quand elle est arrivée. Et depuis, quand vous venez me voir, Fatilou n'est pas avec vous. Voilà. Alors, là, on va au Canada, ça va se passer comment? Donc, je vais causer avec Fatih. Ces gens-là qui parlent pour ceci, là, est-ce qu'ils peuvent donner un spectacle à Fatih au Canada? Jamais. Et je vais vous dire la vérité. Longa a pris la main de Fatih Lou, il lui a dit, je t'amène au Canada. Et Helico Presto, il a payé l'organisateur du Conseil du Canada. Voilà, mon imam. Et le lendemain,